pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Vazada. Hoje eu apresento para vocês aqui no clipe um recorte do documentário feito com Jean Baudrillard, que tratou do livro Mot de Passe. No fragmento que vai ser tratado nesse clipe em particular, Baudrillard discorre sobre a categoria de objeto. Para ilustrar a fala do Baudrillard, eu vou ler uma passagem, uma citação do livro Mot de Passe, que trata justamente do objeto. Parecia-me que o objeto era como que dotado de paixão, ou que ele podia, pelo menos, ter vida própria, sair da passividade de seu uso para adquirir uma espécie de autonomia, e talvez até uma capacidade de vingar-se de um sujeito demasiado seguro de dominá-lo. Os objetos foram sempre considerados um universo inerte e mudo, do qual dispomos a pretexto de que fomos nós que o produzimos. Mas, a meu ver, este mesmo universo tinha algo a dizer, algo que ultrapassava seu uso. Ele entrava no reino do signo, em que nada se passa de maneira tão simples, porque o signo é sempre o eclipse da coisa. O objeto designava, então, o mundo real, mas também sua ausência, e particularmente a ausência do sujeito. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem desse corte do documentário do Baudrillard. E espero vocês aqui numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Oui, d'ailleurs, le mot de passe par excellence, presque pour moi, ça aurait été l'objet. L'horizon, pour moi, est resté celui de l'objet. Alors évidemment, ça a commencé par les objets, c'est-à-dire la multitude d'objets. Bon, c'était toute une époque, un peu les années 60, enfin, où l'objet est apparu comme ça, comme un élément nouveau, puisqu'on passait quand même de la production, si on veut, à la consommation. Il y a eu toute une ère, là, nouvelle. Et donc, les objets étaient au premier chef, au premier plan, quoi. Pas l'objet fabriqué industriel, technique, exactement. Enfin, c'est pas ça qui m'a vraiment, au début, intéressé. Bon, les études de Simondon, tout ça, effectivement. C'était pas non plus l'objet philosophique. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que les objets se disaient les uns aux autres, enfin le système de signes qu'ils constituaient, le passage de l'objet au signe, car en fait, l'objet matériel, l'objet technique, etc. Mais ce qui était important, c'était cette espèce de syntaxe, bien entendu, le système des objets, mais surtout le fait que il renvoyait un monde qui n'était pas si réel qu'on pouvait bien le croire. Enfin, le monde de la consommation était donné comme la réalité même, l'usage, et puis le profit, le bénéfice qu'on pouvait en tirer et tout. Et ça me semblait, moi, ouvrir sur un monde plus irréel, plus... pas imaginaire, mais un monde de signes, quoi. Ou alors le jeu des signes à ce moment-là. Et le jeu des objets faisait qu'ils échappaient très vite à leur valeur propre, à leur valeur d'usage, et ce, pour jouer entre eux, pour se correspondre. Ma connaissance a commencé par là, un petit peu par une forme sémiologique, oui, d'une certaine façon. Mais enfin, derrière, il y avait aussi quand même une métaphysique. Enfin, c'était dans l'air, l'objet. Il y avait d'abord eu quand même aussi la nausée de Sartre, cette fameuse racine, un objet obsessionnel comme ça, qui est une substance presque vénéneuse, enfin, il me semblait que l'objet était doué de passion, presque, qu'il pouvait avoir une vie propre et que quelque part, il pouvait non pas du tout servir, qu'il n'était pas là un élément passif d'usage, etc., mais qu'il avait une autonomie et peut-être même une capacité
de se venger, enfin, en quelque sorte, quoi, d'un sujet qui aurait cru trop bien le maîtriser. Enfin, tous les objets ont été donnés toujours comme un monde, enfin, en fait, quel, passif, hein, un monde dont on dispose, dont on a la maîtrise, etc., en particulier parce qu'il a été produit. Mais justement, le fait qu'il ait été produit me semblait quelque part une lourde hérédité. Enfin, cet objet-là avait quelque chose à dire. Enfin, il passait lui-même au-delà de son propre usage. Et alors, il tombait dans le royaume, dans le règne du signe, enfin, l'ère du signe, où là, les choses ne se passent pas aussi simplement. Parce que le signe est toujours quand même l'effacement de la chose. Et l'objet était une espèce de confluent qui était bien encore quelque chose du monde, enfin du monde réel, et puis qui quelque part déjà désignait l'absence de quelque chose. Bon, l'objet est un médiateur, c'est une médiation, et en même temps, il est, parce qu'il est immédiat, immanent, il brise quelque chose aussi. C'est-à-dire d'une certaine façon, bon, il comble quelque chose, et puis en même temps, il est peut-être une part de cette part maudite dont parlait Bataille, quoi. Quelque chose qui ne sera jamais résolu, quelque chose qui n'est jamais rédimé. Il n'y a pas de rédemption de l'objet. Quelque part, il y a un reste là dont le sujet ne sait pas quoi faire. Enfin, et finalement, on aboutit même à une situation où la profusion des objets, l'amoncellement des objets est un obstacle absolu à la relation éventuellement, quoi. Ce qui n'empêche pas ce monde de proliférer. Au contraire, à ce moment-là, il prolifère. Le propre de la consommation, c'était ce côté illimité, hein, et qui, à un moment donné, constitue alors une forme de presque de désocialisation, enfin un obstacle, franchement, à la communication. Hein. Est-ce qu'on communique à travers les objets? Oui, dans un premier temps, ça ne fait pas de doute. Et puis, c'est comme toujours, quand ce système prolifère, enfin, à la fin, c'est lui qui fait obstacle à la communication. Il y a une sorte d'effet pervers, enfin. Ou alors, l'objet, là, est un rôle dramatique, enfin, c'est un acteur, c'est un acteur à part entière. Les objets, non, enfin, si je peux dire, s'ils avaient une initiative, même non cure de tout ça, ils ont une absence propre, hein. Ils ont une présence qui correspond au fantasme du sujet, ça c'est vrai, mais ils ont une absence propre par où ils échappent à toute cette fonctionnalité, à toute cette valeur d'usage.